Donc, dans TD, ensemble fini et dénombrement, on fait le premier exercice. Je précise tout de suite qu'il ne concerne ni les ensembles finis, ni le dénombrement, mais une remarque qui était faite en cours, c'est qu'un intermédiaire entre des ensembles finis et des ensembles que vous verrez non dénombrables l'année prochaine, il y a des ensembles qu'on appelle dénombrables. Vous venez de me rappeler la définition. Il existe une bijection de cet ensemble dans l'antenne. Bon, ben, il faut construire. Il faut construire ou créer, comme vous voulez. Il faut construire une bijection. Une bijection de grand Z dans grand N. On peut peut-être représenter les choses ainsi. Voilà Z ici, 0, 1, moins 1, 2, 3, moins 2, moins 3, 4. Problème, si vous voulez, c'est que l'ensemble d'arrivée, c'est N. Lui, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, etc. Bon, bien sûr, ici, il y a, hein, ce sont des ensembles infinis, c'est pour ça que je précisais en début de séance que ça ne concerne en fait pas les ensembles finis, cet exercice. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? En tout cas, il y avait une mauvaise idée. C'était quoi? La mauvaise idée, bon, créer une bijection, c'est faire... Je vous rappelle qu'une application, c'est un ensemble de flèches, hein. Finalement, vous avez compris que l'application, c'est un ensemble de couples avec un élément de l'ensemble de départ, virgule, un élément de l'ensemble d'arrivée. Et l'ensemble de tous ces couples forme ce qu'on appelle le graphe de l'application. Bon, la mauvaise idée, c'était d'envoyer 0 sur 0, puis 1 sur 1, puis 3 sur 3. Pourquoi? Parce que là, on va jusqu'au bout et on n'a pas la place pour les négatifs. Donc, qui a eu une autre idée? Brieux. Au positif, on associe les paires et que au négatif, on associe les impairs. Eh ben, c'est pas bête du tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu écartes les positifs pour laisser la place aux négatifs. Autrement dit, t'envoies 1 sur 2, t'envoies 2 sur 4, t'envoies 4, t'envoies 3 sur 6, t'envoies 4 sur 8. J'ai pas la place de l'écrire, mais vous avez suivi l'idée de Brieux. Attention, je le fais en rouge, mais en fait c'est la même application. Et du coup, tu peux envoyer moins 1 sur 1, 1, c'est ça? Tu peux envoyer moins 2 sur 3. Et bon, alors après, j'ai peur de d'embrouiller le schéma. Est-ce que vous voyez que 3 va être envoyé sur 5? Bon, je le fais arriver là, mais ça va embrouiller le schéma si je... Ça vous va? La flèche qui commence là, elle se finit là. Alors, allons-y, on prend deux points. On prend deux points, allons-y, phi qui va de Z à d'un grand N, et qui a petit N... associe quoi? On va l'appeler petit P plutôt, hein. Bon, c'est des petites... Peu importe. Allez, petit P. Je t'écoute. 2P s'il est positif, et moins 2P plus 1 s'il est négatif. 2P si P est supérieur ou égal à 0. Alors, reste à voir si ton expression pour les autres... Alors ici, hein, je fais comme ça. Hop. Oui, ça me va. Par exemple, regardez, hein, 1... moins 2 est envoyé sur 1 de moins que... donc c'est moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. Donc je suis assez d'accord avec toi. C'est moins 2p moins 1. Oui, si on met les parenthèses autour de 2p plus 1, je veux dire. Ah, moins parenthèse 2p plus 1. Oui, on est d'accord, c'est pareil. C'est pareil. Si P est strictement négatif. Alors, je ne fais pas la vérification parce qu'on n'a pas énormément de temps. Est-ce qu'il est clair que cette application est une bijection?
Alors, vous le faites en deux temps. Vous montrez que les nombres pairs ont un antécédent unique. Puis, vous montrez que les nombres impairs ont un antécédent unique. Conclusion, tous les nombres entiers ont un antécédent unique. On montre facilement que phi est bien une bijection. Allez, on montre facilement. Attention, c'est pas fait, hein. Mais c'est facile. On montre facilement que phi est une bijection. Autrement dit, grand Z est dénombrable. Alors, il est bien sûr pas fini, mais il est dénombrable. On peut le compter. On peut numéroter les éléments de Z. En l'occurrence, ici, vous voyez que la numérotation, ici, moins 1 est l'élément numéro qu'on a choisi, 1. Moins 2 est l'élément 3. Compris ou pas? Alors, là où ça se corse, c'est dans le 2. On veut montrer que n carré est dénombrable. Alors, ça se corse un peu. Là, on va faire aussi un petit schéma. Bon, je répète pas la phrase. Il faut construire une bijection de n carré dans grand N. Je vais effacer ? Non. Vous me dites. C'est l'expression de phi que j'ai... L'expression de phi, vous l'aviez ? Bon. En tout cas, j'efface le schéma, puisque là, il n'y a plus besoin de... Hop, le schéma. Et, si schéma il doit y avoir. Alors, il est peut-être... Regardez, je remplace mon schéma de tout à l'heure. Est-ce que vous voyez que le schéma de tout à l'heure était compliqué à cause de la présence de flèches? Si on était parti de Z, 0, 1, 2, 3... 4. Je vais vous montrer quelque chose qui simplifie beaucoup les schémas quand on veut numéroter. Plutôt que de faire des flèches vers le numéro qui va être attribué à chaque élément de Z, il suffit finalement de lui mettre une étiquette. Quand on a fait le cours sur les tables, on parlait d'étiquetage de table. Bon, en fait, ce nombre-là, on l'a étiqueté par le 0. Ce nombre-là, on l'a étiqueté par... 2. Ce nombre-là, on l'a étiqueté par 4. Ce nombre-là, par 6. Ce nombre-là, par 8. Ce nombre-là, étiqueté par 1. Ce nombre-là, étiqueté par 3, etc. Et là, je pense que vous avez compris l'idée. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, est-ce que vous voyez qu'on peut représenter phi comme ça? Donc autrement dit, il suffit de coller des étiquettes comportant des nombres entiers, tous présents et tous distincts, sur les éléments de l'ensemble que l'on veut dénombrer. Alors, les éléments de l'ensemble que l'on veut dénombrer dans ce grand 2, enfin dans son petit 2, c'est plus compliqué qu'une ligne. Hein. C'est quoi? C'est une... Oui, et plus exactement, les points d'intersection d'une grille, notamment... le couple 0, 0 que je vais représenter ici. Ici, je représente le couple 1, 0, 2, 0, vous m'avez compris, 3, 0, ici le couple 0, 1. Alors, ici le couple 1, 1, vous avez saisi, je pense. 1, 1, ici le couple 0, 2, allez, on va mettre un petit 0, 3, tac, 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 tac. Alors, oui, cette fois on va ouvrir directement, comme d'habitude, cette fois je laisse ton entrée, Ilona. Bon, on reprend. Elle était moins spectaculaire que la dernière fois, c'est pour ça.
On t'a ouvert plus vite. Bon, quelle est votre idée? Bon, une très mauvaise idée, évidemment, c'est quoi? Donc ça consiste à coller des étiquettes roses sur toutes les croix de ma grille. Vous êtes d'accord? De façon que toutes les croix soient étiquetées une fois et une seule. Une évidemment très mauvaise idée, c'est de fonctionner soit par ligne, soit par colonne. Parce que comme tout à l'heure, si on fait ça là, on utilise tous les numéros sans même atteindre la deuxième ligne. Alors, qui a eu une bonne idée? Si on appelle I le premier nombre du couple et J le deuxième, on peut faire 10 I plus J. 10 Donc J. Alors ça, 3, 0, c'est 30. 1, 1, c'est 11. Eh oui, mais il y aura des trous. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux ajouter? Tu veux ajouter I plus J? Ah non, alors là, je pensais que tu voulais mettre l'un côte à côte et faire un nombre à deux chiffres. Non, mais si tu veux ajouter, là, ça va pas du tout. Pourquoi? Parce que tous les nombres d'une diagonale ont la même image. En particulier 0, 3 et 3, 0. Me suis-tu? Ah non. 0, 3, ça fait 3 et 3, 0, ça donne 30. Ah ben donc, c'était moi. T'as pas dit I plus J, alors? Ah, j'ai 10 I plus. Ah, 10 I plus J. T'as suivi? C'est bien ce que je pensais. Tu veux faire un nombre de chiffres dont le premier... C'est ce que j'avais pensé en t'écoutant, mais c'est pas ce que Théo avait interprété. Non, mais je pensais à une autre idée, mais Auriel avait aussi... Bon, alors, dans l'idée I plus J, tout seul, vous êtes d'accord que ça marche pas, puisque tous les nombres d'une diagonale ont la même image. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que tu as que des nombres à deux chiffres en faisant ça. Et tu n'arriveras jamais... C'est qui Si on a 11, 11, il faudrait faire 100 fois le premier plus le deuxième. Ouais. Tu vois, l'idée, le problème, là, c'est que quand tu vas dépasser les deux chiffres pour un des nombres... Il faut utiliser le logarithme. Ouh là là, il y a beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, en revanche, la tentative proposée par Théo est pas mal du tout. Pourquoi? Parce que... On compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, on voit qu'ils sont en diagonale. Oui. Regardez, c'est sûr que si on compte ligne par ligne, on va aller trop loin. En revanche, si on compte diagonale par diagonale, on va bien balayer toute la grille. Autrement dit, ça, on va l'étiqueter comment? Alors l'étiquette, comme il y a un couple, je la mets en carré. Ça, je l'étiquette 0, c'est-à-dire. Ensuite, ça, je l'étiquette combien? Je l'étiquette 1. Ça, je l'étiquette 1, celui-là. Celui-là, je l'étiquette 2. Celui-là, je l'étiquette 3. Celui-là, 4. Celui-là, 5, celui-là 6, celui-là 7, celui-là 8, celui-là 9. Bon, on a compris. Est-ce que ça va marcher? 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Est-ce que vous voyez que toutes les croix vont être étiquetées une fois et une seule? Alors, on va essayer de formaliser ça. On considère... on a dit phi qui va de n carré à valeur dans grand N et qui a un couple IJ, puisque tu l'as appelé comme ça, Brieux, associe quoi? Alors, une petite remarque. Quel est l'étiquette des nombres de la première ligne? Oui, et pourquoi? Parce que 0 compte pour 0, et lui, il compte pour 1. Lui, là, le 3, c'est parce que c'est celui-là plus celui-là. Là, pourquoi il y en a 6? Parce que avant lui, il y en a donc le 0, 1, 2, 3, 4, 5, et lui, c'est le 6e.
Donc, est-ce que vous voyez que le numéro, en effet, alors, qu'est-ce que j'écris ici? La somme pour... Tu m'as dit tous les nombres le précédent, on tombe sur quelque chose qui s'appelle I, virgule J, donc on va écrire la somme pour K égale... Zéro jusqu'à... I plus J. Zéro jusqu'à I plus J des K. Est-ce que ça vous va? La somme pour K égale 0 jusqu'à I plus J des K. Je l'écris et vous me dites si vous... de 0 à I plus J des K, pardon. C'est pas ça que je vais écrire, évidemment. I plus J des K. Oui, mais surtout, est-ce que vous voyez que c'est bien l'indice de cela? Ici, là, le 0, le 1, le 2, le 3, le 10. D'accord? Mais il faut ajouter quoi? Par exemple, si celui-là c'est 6, pourquoi celui-là c'est 7 là? Parce qu'on rajoute quoi en plus? On rajoute J, oui. Comme ça, hop. Alors, je vous explique. On a dit que toutes les diagonales... Comment j'ai trouvé ça? Et pourquoi ça vous surprend? Toutes les diagonales sont constituées d'étiquettes... De couples qui ont la même somme. Ça, c'est la diagonale... du seul couple dont la somme des composantes fait 0. Ça, c'est la diagonale du seul couple dont la somme des composantes fait 1. Ça, c'est la diagonale de la somme des couples dont la somme des composantes fait 2. Ça, c'est la diagonale de la des couples dont la somme des composantes fait 3. Ça vous va? Le premier nombre de cette diagonale a pour indice le nombre de croix présentes sur toutes les diagonales avant. Autrement dit, le 6 qui est là, c'est une croix qui est là. Alors, cette croix, elle compte peut-être 1 plus 2 plus 3. Si, c'est ça. Cette croix compte pour 1, celle-là pour 2 et celle-là pour 3. Ça fait bien 6. Est-ce que vous voyez qu'il y a 6, il y a 6 croix avant celui-là? Donc lui, c'est... C'est comme celui-là, il y a... D'accord? Donc lui, c'est bien l'objet numéro 6. Pourquoi celui-là est l'objet numéro 10? Parce que... Bon, alors, en le comptant avec lui... Alors, soit vous comptez la croix 0 et pas lui, soit vous comptez lui et pas la croix 0. Comptons lui et pas la croix 0, puisque dans ma formule, elle compte 0. Il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 croix avant lui. Et lui, ça sera qui, là? Lui, ça sera qui? Ça sera la somme pour K égale 0 jusqu'à... Alors là, c'est la diagonale des 5. D'accord? Et ensuite, on rajoute J. Est-ce que ça vous va? Alors, ça, c'est... Alors, on montre un peu moins facilement, mais on montre. On montre un peu moins. Alors, une remarque que tu m'as donnée, Brieux, c'est que phi de ij égale, je t'écoute. Alors, le 0 sert à rien, et on écrit i plus j facteur de i plus j plus 1, le tout divisé par 2, plus encore j. Remarque, explication. L'image
l'image d'un couple que je vais appeler P, virgule 0, et le nombre de couples présents sur les diagonales. Les diagonales précédentes, celles qui commencent, à P, 0. Or, le nombre des couples situés sur les diagonales, on sait les sommets grâce à notre formule sommatoire. Alors, une toute petite subtilité, c'est que vous voyez que j'ai commencé à k égale 0 et je suis allé à i plus j. En fait, je peux tout à fait commencer à k égale 1. Mais comme ça, ça donne une image pour 0. Laissons ça. Comme ça, si i égale j égale 0, ça marche encore. Et on envoie 0, 0 sur 0. D'accord ? Eva ? Mais pourquoi jusqu'à i plus j ? Parce que... je répète, ce qui caractérise une diagonale, c'est i plus j égale constante. I plus j égale constante. Et donc, ça, là, le 10, celui-là, là, le 4, 0, est le premier élément de tous les couples dont la somme des composantes va être 4. Il suffit de compter combien il y a de couples avant et d'ajouter l'altitude pour avoir le numéro du couple. Si à la place de plus j à la fin, mettez plus i, ça passe. Plus i, c'est un comptage différent. C'est pas la même, ça correspond plus au schéma. Est-ce que le coup de l'autre sens ? C'est mon. Tu vois que plus i. On aurait compté vers le bas. Oui. Alors après, il y a plein de chemins. Regardez, vous pouvez compter comme ça, en descendant, comme tu dis. Mais dans ces cas-là, il y aurait plutôt eu du moins i. Pire encore, plus difficile à algébriser en tout cas. Regardez le schéma comme ça. Hop, 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 hop. Je monte une fois, je descends une fois. L'essentiel, finalement, c'est comme une turtle. Parfois, en informatique, on se déplace dans tous les croisements en les rencontrant une fois et une seule. Et à chaque fois qu'elle croise c'est une tortue munie d'un compteur, et à chaque fois, elle compte. Donc, trouver une bijection, c'est aussi trouver un chemin qui passe par toutes les croix, une fois et une seule. Ça vous va ? Alors, là, je vous laisse écrire la phrase « On montre, virgule, un peu moins facilement, que phi est une bijection. » Vous voulez que j'écrive cette phrase ?« On montre, un peu moins facilement, un peu moins... » Bon, mais est-ce que le schéma est clair ? Un peu moins facilement que si est bien une bijection. Est-ce que vous voyez que donc grand N carré est dénombrable ? Et peut-être est-ce contre-intuitif ? A priori, il semble y avoir plus d'éléments dans n carré que dans grand N. Vous êtes d'accord ? Eh bien non. Il y en a autant. Car, alors, le cardinal de grand N, c'est un nombre un peu spécial. Hein. On l'appelle Aleph 0. Il vaudrait plus l'infini, si vous voulez. Mais c'est le même infini que le cardinal de n carré. Ça sera aussi le même infini que le cardinal de Q, l'ensemble des nombres rationnels.
Et oui, parce que, en gros, très gros, c'est quoi l'ensemble des nombres rationnels? C'est l'ensemble des couples d'entiers dont on fait la division. Couple d'entiers, c'est à peu près n carré. En fait, c'est z croix n. D'accord? Et donc, vous verrez, ça c'est vraiment le programme de l'année prochaine, que l'ensemble des rationnels est dénombrable. Là, ça devient vraiment contre-intuitif. Hein. Il n'y a pas plus de rationnels que d'entiers. Il n'y a pas plus de rationnels que d'entiers. Rationnels, même pas les... Tout l'ensemble des rationnels. Il n'y en a pas plus que d'entiers. Non, le saut, vraiment le saut entre un infini, un cardinal infini et un autre, c'est le passage des rationnels au réel. Alors là, vous montrerez aussi l'année prochaine que R n'est pas dénombrable. On appelle son cardinal, là encore, son cardinal qui vaudrait plus l'infini, mais qui a un nombre imaginaire, Alep 1, et là, il y a, c'est strictement plus grand. Comment c'est que c'est le prochain? Comment c'est qu'il n'y a pas Alep 0? Ouh là 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 là. Alors là, mon grand, tu poses une question, mon grand, excuse-moi de t'appeler comme ça. Tu poses une question extrêmement profonde en mathématiques. Lis des informations sur les recherches de Cantor, mathématicien Cantor, qui... Non, pas tous. La plupart des logiciens qui ont mis en place les structures mathématiques logiques au début du XXe siècle ont un peu mal fini, il faut le reconnaître. Certains dans des asiles, d'autres... Ah bon, c'était pas brillant, si vous voulez. Mais je crois pas que Cantor ait fini fou. Mais il a fini un petit peu halluciné, parce qu'il écrivait par exemple à certains de ses correspondants « Je le vois, mais je ne le crois pas ». Et donc la question qui se posait, c'est « Existe-t-il un ensemble dont le cardinal soit strictement plus grand que celui de N, mais strictement plus petit que celui de R ?» Vous écrivez les flottants informatiques, quitte à ce qu'on aille jusqu'au bout, en base 2. Autrement dit, écrire un réel, c'est choisir une infinité de fois 0 ou 1. Et l'infinité de fois, c'est autant qu'il y a d'entiers possibles. Et donc, il y a autant de réels que d'applications de n dans 0 ou 1. Autrement dit, 2 exposants cardinal de n. Il y a autant de réels. Enfin, le cardinal de R, c'est 2 exposants cardinal de n. D'accord. Et la question que tu te poses, si tu y réponds un jour, tu deviendras célèbre. Exercice 2. J'entends si tu trouves un ensemble qui a un cardinal strictement compris entre celui de N et celui de cardinal au sens transfini. Exercice 2, ABC. Trois parties. D'un truc qu'on appelle E. Calculer le cardinal de A union B union C en fonction des cardinaux de A. Alors, vous m'avez dit de A, B, C, A inter B, A inter C, etc. Vous m'avez dit que vous avez trouvé, je vous écoute. Non, ça c'est le résultat. Bon. Le résultat, je veux bien que vous me le donniez, c'est donc cardinal de A union B union C, ça c'est le résultat que vous avez trouvé, je vous écoute. Cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C moins cardinal de A inter B moins cardinal de A inter C moins cardinal de A B, pardon, inter C plus cardinal de A inter B inter C. Oui, mais ça vient d'où cette affaire? Je vous écoute. Comment avez-vous fait? Un schéma? Un schéma? Oui. Oh, oui, bon, d'accord, mais c'est bon, c'est pas idiot, hein? Comme ça? Alors,
Bon, c'est pas idiot, parce que l'idée, c'est... Bon, pourquoi pas, mais ça atteint rapidement ses limites. À savoir que... Bon, vous voyez quand même que quand vous comptez les cardinaux de A plus cardinal de B plus cardinal de C, vous comptez trop de fois les éléments qui sont dans les intersections. Donc il faut les enlever. Mais quand vous enlevez celles qui sont là, vous l'enlevez une fois de trop. Donc il faut le rajouter. Bon, c'est bien ça, faire ça, mais vous n'avez pas une bijection, une utilisation de la formule donnée en classe. Qu'est-ce qu'on connaît? Le cardinal de A union B, on peut même faire des unions plus larges du moment qu'elles soient distinctes. Donc qu'est-ce que vous proposez là? A union parenthèse B union C. Ah ben ça c'est une première chose. Allez, A union B union C égale A union B, le tout union C. Ça me paraît déjà une bonne base, non? Donc le cardinal de A union B union C, c'est le cardinal de A union B plus le cardinal de C moins le cardinal de... Alors on va ouvrir A union B A inter C, ça vous va? Alors je ne sais pas si j'aurai la place de tout écrire. A union B inter C. Or, je décalerai le truc. Cardinal de A union B, c'est quoi? C'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Et ben je crois qu'on va avoir la place. Cardinal de A union B inter C, c'est quoi? Et alors on ne va pas avoir la place. Je suis obligé de l'effacer. Ça vous va? On va l'écrire à la fin. Parce qu'il faut décrire ce que c'est que A union B inter C. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est, ça date du tout début d'année, mais vous le savez. C'est A inter C union A B inter C. Et donc, le cardinal de A union B, le tout inter C, c'est le cardinal de A inter C plus le cardinal de B inter C moins le cardinal de quoi? De l'intersection de ça et de ça. Mais A inter C, inter B, inter C, c'est quoi? A inter B, inter B, inter C. C'est tout simplement A inter B, inter C. Vous voyez que la double présence du C ne change pas. Bon, ben là, c'est gagné. On en déduit, alors, cardinal de A union B union C égale... Alors, ben, dans l'ordre, donc c'est celui-là plus celui-là, là. Cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B... Et puis on avait... qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Des bêtises. Cardinal de A plus... Si, ça j'ai écrit cardinal de A union B.
là, donc j'ai écrit cardinal de la ligne OB, ça vous va? J'ai écrit celui-là, là. Ça c'est mon premier cardinal de la ligne OB. Je souligne, ça c'est pas mal, hein. Je souligne ce que j'utilise là, ça, j'utilise ça. Le cardinal de la ligne OB, je viens de l'écrire. Qu'est-ce qu'il me faut? Le cardinal de C. Est-ce que vous voyez que j'aimerais que dans vos copies, on puisse suivre les calculs? Parce que dans ce type d'exercice, si on ne peut pas suivre les calculs et qu'à la fin vous annoncez une formule qui est plus ou moins soit donnée par énoncé, soit prouvée à partir d'un raisonnement, comment dire, patatoïdesque, c'est moins convaincant, quoi. Une démonstration, ça doit pouvoir se suivre comme un calcul. Ou plutôt un calcul, ça doit pouvoir se suivre comme une démonstration. Qu'est-ce que je fais maintenant? Moins quoi? Crochet, tout ce qu'il y a là-dedans, à savoir cardinal de 1 inter C, plus cardinal de B inter C, moins cardinal de A inter B inter C. Est-ce que, cette fois, d'après étoile, hein, vous avez compris, ici, tout est bon, tous les moyens sont bons pour, ici, étoile, hein. Tous les moyens sont bons pour que ça marche. Sachant qu'ici, on a tout détaillé, quoi, le cardinal de A union B, et le cardinal de A. Bon, c'est clair? D'où le résultat voulu? D'où le résultat. Vous l'avez noté le résultat tout à l'heure ou je dois le réécrire? C'est-à-dire la somme des trois cardinaux. On enlève le cardinal des intersections et on rajoute le cardinal de l'intersection triple. C'est clair cette fois? Je le réécris ou pas? C'est bon? D'où le résultat voulu. Alors, et ben voilà. On va. Est-ce qu'on a le temps? Si on continue à faire des exercices, on commencera le. On commencera les probas que demain. Qu'est-ce que vous préférez? Peut-être juste faire la généralisation. Ah, oui, c'est-à-dire quoi? Ah, alors la généralisation. Alors par contre, je vous la donne, mais je vous laisse y réfléchir. Alors on va les appeler comment? On va les appeler A1, A2. Pour A1, A2 jusqu'à AN. Partie de. Partie de E. La question qui est posée, c'est cardinal de A1, union A2, union 3 petits points, union AN. Que j'aurais pu écrire d'ailleurs cardinal de égale cardinal. Ça, c'est pas la propriété, hein, c'est juste une façon d'écrire différemment. 1 plus petit que K des AK, ou I égale 1, jusqu'à N des AI. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Est-ce que vous voyez que c'est d'abord une somme dans laquelle il va y avoir des sommes de cardinaux d'intersection? Alors, je vous la donne. Ça va être une somme dans laquelle il va y avoir une somme de cardinaux d'intersection. Des cardinaux de quel type? Des cardinaux du type AI1 inter AI2 inter AIK. Donc ça, par exemple... pour K égale 1, c'est la somme des cardinaux. Pour K égale 2, c'est la somme des intersections 2 à 2. Non, des cardinaux des intersections. Pour K égale 3, c'est la somme des intersections triples.
Est-ce que vous voyez que nous, on en avait trois de ce genre de sommes? Alors, comment les choisir? Il faut que les I1, I2 jusqu'à IN soient deux à deux distincts, et donc dans ce cas-là, pourquoi pas classer entre 1 et N. Donc ici, vous écrivez 1 plus petit que I1, strictement plus petit que I2, strictement plus petit que IK, strictement plus petit que inférieur ou égal à N. Est-ce que vous comprenez que nos trois sommes étaient de ce type-là? Le premier, pour K égale 1, il faut choisir 1 I1. Donc nous, on avait cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C. Ça, c'était notre première somme. Ensuite, il y avait un moins devant quelle somme? Il y avait un moins devant la somme des cardinaux des intersections 2 à 2. Et après, il y avait un plus devant la somme des cardinaux. Mais là, il n'y en avait qu'une. 3 par 3. Alors, l'idée, c'est que vous voyez que ça, c'est le choix d'un certain nombre de i. Eh bien, en somme, sur tous les k allant de 1 jusqu'à n, et devant, il y a moins 1 exposant. Alors, attendez, moins 1 exposant k ou k moins 1? Laissez-moi réfléchir. K égale 1, il faut que ce soit plus, donc c'est k moins 1. Est-ce que ça correspond à ce que l'on a fait pour nous? Exemple pour n égale 3. Ici, pour n égale 3, vous avez, on a bien ici, cardinal de A1, union A2, union A3, égale, alors, moins 1 exposant 0 fois la somme des cardinaux pris des parties en choisissant qu'une. Donc des cardinales de A1, cardinal de AI, ça vous va? Cardinal de A1 plus cardinal de A2 plus cardinal de A3. Ensuite, plus moins 1 exposant 1, cardinal de 1 inter A2, plus cardinal de... Alors là, ceux qui sont en vidéo, excusez-nous, hein, j'écris un peu à droite, vous imaginez la suite. Cardinal de 1 inter A3, plus cardinal de A1, A2 inter A3. Et enfin, je peux effacer la formule? Elle est belle quand même, hein? Il faut la garder, je dirais. Oui, mais alors là, ceux qui sont en vidéo, là, on va carrément écrire complètement à droite. Et donc ici, j'ai plus moins 1 exposant 2 fois le seul cardinal que l'on peut écrire en choisissant 3 nombres parmi 3, c'est 1 inter à 2 inter à 1 inter à 2 inter à 3. Alors, ah oui, photo pour Ridian. Alors, cette formule dite du crible est extrêmement intéressante. Hein. On la démontre par récurrence, bien sûr. Ça vous va? L'exercice 3, je vous propose de le corriger avec les autres exercices concernant les cas parmi n, c'est-à-dire jeudi après-midi. Sachez simplement que l'interprétation du résultat en termes de dénombrement, c'est quoi? La somme pour k égale 0 jusqu'à n des moins 1 exposant k parmi n égale 0. Hop! Exercice 3, et je dirais juste à montrer, mais on va faire pour, en termes d'introduction, si vous voulez, aux raisonnements qui suivent, parce que les raisonnements qui suivent s'appuient sur des raisonnements par dénombrement.
Si on avait la certitude que ce que je vais dire en termes de dénombrement est vrai, on n'aurait besoin d'aucune démonstration algébrique pour montrer que la somme pour k égale 0 jusqu'à n des moins 1 exposant k, k parmi n, égale 0. À montrer, hein, on veut n ici, n appartient à n étoiles. Ça, c'est à montrer. Au fait, vous avez essayé pour les petites valeurs ? Est-ce que vous avez essayé pour les petites valeurs ? Eh bien, il faut essayer. Hop ! Essayer pour les petites valeurs, c'est prendre le triangle de Pascal. Ici, les n, ici, les k. Bon, lui, on l'exclut, hein, parce que c'est 0. Mais D1, vous avez 1, 1, 1, 2, 1. Pour 3, vous avez 1, 3, 3, 1. Et si vous prenez... Alors, moins 1 exposant k, ça consiste à toujours mettre un plus suivi d'un moins. Donc ici, on commence tous. Hop, ça fait 0. Et là, moins plus, ça fait 0. Moins plus moins, ça fait 0. Si je fais 4... Bon, vous avez compris ou pas ? Si je fais 4, c'est 1, 4, 6, 4, 1. Et si je fais moins, plus, moins, plus, ça fait 0. Ben oui, ça fait 0. Ça fait 0. Ça fait 8, moins. Égal 0. Vous me suivez ou pas ? Bon. Alors voilà, bon, c'est pas si mystérieux. Est-ce que vous voyez que, bon, en gros, hein, si ça c'est vrai, ce moins 4, c'est, il est lié à ce 1 et ce 3 là. À vous de réfléchir comment faire. Moi, ce que je voudrais que vous me disiez, c'est qu'est-ce qu'on peut en déduire en termes de dénombrement. Ou à l'inverse, si on sait des choses en termes de dénombrement, pourquoi on peut déduire ça ? Je vous le réécris, ceci s'écrit aussi, ceci s'écrit. La somme pour k égale 2p, donc là vous écrivez 0 plus petit que 2p plus petit que n. Ça c'est quand k est pair, donc ça c'est 2p parmi n. Moins la somme pour 0, 2p plus 1. Plus petit que n des 2p plus 1 parmi n égale 0. Je peux peut-être écrire p égale 0 alternative si je veux vraiment écrire p. Moi j'aime bien vraiment cette écriture, hein, mais il faut que vous la compreniez. C'est une somme sur p là qu'on est en train de faire. Si vous voulez vraiment l'écrire, c'est p égale quoi jusqu'à quoi des 2p parmi n. Le premier P, c'est 0, et là, vous mettez partie entière de n sur 2. Ici, si vous voulez vraiment faire une somme, c'est une somme sur P. Vous voyez que quand on écrit 2P plus petit, il faut comprendre que c'est une somme sur P, telle que 2P est. Et quand on écrit ça, il faut comprendre que c'est une somme sur P, telle que les 2P plus 1 restent entre 0 et n. Justement, remarquez qu'ici, on peut mettre 1, puisque 2P plus 1 ne sera jamais égal à 0. Et 2, alors le plus petit p c'est 0, là il va venir partie entière de n-1 sur 2. Et là il y a 2p plus 1 parmi n égale 0. C'est la même chose. Écrire ça ou ça, c'est la même chose. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ces deux objets là. Ou ces deux objets là. Ça, c'est quoi ? C'est la somme de tous les nombres de parties dont les cardinaux sont 2p. Autrement dit, c'est le nombre de parties d'un ensemble à n éléments de cardinal pair. Ça, c'est le nombre en rose, là, c'est le nombre de parties
de... Alors, je pourrais écrire un n comme modèle de nombre de parties de E dont le cardinal est... dont le... ou A, dont le cardinal est... c'est pair. Et ça, c'est quoi? Le deuxième bloc, là. Le nombre de parties de E dont le cardinal est... dans le cardinal est impair. Qu'est-ce que c'est que ce E? Évidemment, E étant ici, E étant un ensemble fini de cardinal N, N appartient à N étoile. L'exemple modèle, c'est par exemple, hein, ici, à chaque fois qu'on écrit nombre de parties d'un cardinal, ensemble de cardinal N, on peut prendre le modèle de ces ensembles, c'est 1N. Par exemple, E égale 1N, hein, c'est le plus simple de cela, puisque tous les ensembles de cardinaux N sont en bijection avec celui-ci. Vous avez compris? Tous les ensembles de cardinal N sont en bijection avec un N. Autrement dit, alors, on peut voir l'exercice de deux façons. Soit on fait du calcul algébrique, on montre ça et on en déduit que dans un ensemble de cardinal fini, il y a autant de parties de cardinal pair que de parties de cardinal impair. Ou alors, ceci vous apparaît comme une évidence. Il est bien évident que dans un ensemble fini, il y a autant de parties de cardinal pair que de cardinal impair. Donc, ça c'est vrai. Et je m'explique, c'est que dans l'exercice 5, c'est ce type de raisonnement qu'on vous demande de faire. Je vais considérer des ensembles, je vais affirmer des choses qui, en termes de dénombrement, sont soit claires, soit démontrables d'après le cours, et je vais en déduire des égalités sur des nombres. Est-ce que vous m'avez suivi? Philippe. Après le ceci s'écrit, vous avez mis B plus 1 varié entre 1 et n, mais c'est pas entre 0 et n, parce que si on oublie le 0. Ah oui, t'as raison. Bon, merci. J'avais mis 1 et j'ai retiré le 0, c'est ça? Parce que sinon, on n'oublie pas le 1. Non, mais en fait, c'est. Non, non. 2P plus 1 ne peut pas être plus petit que 1. Je laisse le 1. Mais si tu veux, je mets le 0. C'est... Non, je croyais que tu me disais là, tu me disais, attention, vous avez mis P égale 1, mais tu me dis, attention. Non, ton attention n'a pas lieu d'être. Le plus petit impair, c'est 1. Donc ici, tu peux mettre 1. Non, en fait, j'ai cru que c'était. C'est bien ce que j'ai cru, c'est bien ce que j'ai cru que tu as cru. Bon, est-ce que ça vous va? Exercice à chercher, il n'est pas fait du tout, hein. Ça vous va? Bon, là, je pense que clairement, dans l'exercice 3, c'est on vous demande quelque chose à faire, soit sous forme calculatoire, soit sous forme avec récurrence, et en déduire que, la fameuse phrase que je viens de dire, dans un ensemble de cardinal fini, enfin, dans un ensemble fini, il y a autant de parties de cardinal pair que de parties de cardinal impair. Ça, vous l'aurez démontré une fois que vous aurez fini l'exercice. Mais rappelez-vous que vous pouvez faire l'inverse dans l'exercice 5. Notamment, on corrigera également jeudi l'exercice dit de cours, s'appelant formule du multinôme, la dernière égalité du cours. Allez, on arrête là pour cette séance de TD.